Nangs Reborn. Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nangs Reborn. Nous sommes très heureux de vous voir encore dans une vidéo qui parlera de la musique. Là, nous avons décidé de toucher un peu la musique parce que nous nous sommes rendus compte que waouh, ça a de l'influence sur le monde et en particulier la jeunesse, les jeunes d'aujourd'hui. Et là, je vais vous dire que le diable contrôle la jeunesse par la musique. Aujourd'hui, la musique est devenue un moyen très puissant par lequel le diable passe pour pouvoir contrôler et manipuler les jeunes gens. Ah! Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe derrière? Vraiment, nous allons tout découvrir ici. Que Dieu nous aide. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser une question. Dites-moi, mes frères et sœurs, quelle est la musique que vous aimez bien écouter? Est-ce que c'est le hip-hop? Est-ce que c'est le rap? Est-ce que c'est le R&B? Ou est-ce que c'est le coupé décalé? Ou même le reggae? Il y en a tellement. Ah! Ce sont des choses qui sont là, qui existent. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas le hip-hop, tu vas aimer le reggae. Si tu n'aimes pas le reggae, peut-être tu as aimé le zouk. Ou même si tu n'aimes pas le zouk, peut-être tu as aimé le coupé décalé. De toute façon, tu seras quelque part. Jean pour dire que le diable a tout créé. Il a créé une diversité des choses pour que vous puissiez être localisé dans un endroit qui appartient très bien. Si tu aimes la musique du monde, tiens-toi prêt. Là, le diable t'a bien eu et puis il t'a casé quelque part en fonction du genre musical que tu aimes beaucoup écouter. Par exemple, moi, dans le passé, j'aimais beaucoup écouter le rap. Le rap, le R&B. Mais j'aimais plus écouter le R&B. En tout cas, tout ce qui est américain, là où on parle anglais, c'est moi, je suis là. Ah! Et ça, c'était une chose qui me connectait directement au diable sans que moi-même je m'en rende compte. Et dans mon comportement, dans ma manière de m'habiller, on sentait que moi déjà, même j'étais même aux États-Unis depuis longtemps. Parce que non seulement j'écoutais la chanson, et je m'habillais comme les Américains. C'est vrai que je ne suis pas allé très loin jusqu'à à m'habiller et puis montrer mon slip aux gens, comme ce qu'on voit la plupart du temps, les gens descendent leurs pantalons et tout ça. Là, vous commencez à comprendre l'influence de la musique sur les gens et comment le diable contrôle les gens. Vous voyez, dans le rap, là, souvent, si on doit porter un casque juste comme ça, il a droit, c'est-à-dire au bon endroit, on doit le renverser de le rap en envers. On porte le casque en envers de le rap. Il y a, en fonction du genre musical que tu écoutes, il y a une manière de s'habiller. Les gens s'habillent avec de gros trucs, de gros vêtements. Il faut descendre les culottes et ils marchent comme ça. Ils marchent comme ça. Ils marchent comme ça. Là, on va dire quoi? C'est une manière de marcher, c'est un comportement, non? Vous êtes, tu vas comprendre maintenant pourquoi il dit le diable contrôle les gens par la musique. Même regardez un peu ce qui se passe. Quand il y a les élections, il y a les élections administratives, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des élections comme ça, là, où on doit choisir un président ou bien élire quelqu'un, là, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir avoir plus de votes, il y a certaines personnes, certains candidats qui vont s'accrocher au stade de la musique. Pourquoi? C'est parce que quand ces gens vont associer leur image à ces stars-là, ils vont pouvoir toucher la jeunesse. Parce que la jeunesse se retrouve en ces stars de la musique. Et c'est comme devenu comme une religion. Donc ces stars de la musique sont devenus comme les Jésus. Ils sont devenus comme les Jésus parce qu'ils font tout ce que ces gens-là font. Et ils se comportent exactement comme ces gens-là. Et c'est exactement ça. C'est la même chose. Et ce qui va se passer
avec le diable aussi. Il va utiliser c'est des personnes qui vont venir chanter, très bien chanter. En même temps, il va amener ces personnes-là avant une certaine façon de s'habiller. Et là, la musique, quand vous allez écouter cette musique et que ça va vraiment entrer en vous, vous aurez du mal à discerner du bien et du mal. Parce que l'amour serait tellement fort que vous allez même accepter tout ce que cette personne-là serait en train de faire. Là, on va parler du contrôle. Quand on parle du contrôle, c'est au niveau où le diable même, c'est comme s'il venait même te posséder. Ou qu'il te mettait même à faire tout ce que une personne que tu appelles ta star préférée fait. Tu copies tout. Que ce soit bien, soit mauvais, tu copies tout. Parce que ça donne confiance. Parce que c'est un pouvoir. Un très grand pouvoir. À un moment donné, je voulais faire remarquer, quand on avait commencé à écouter la musique rap, comme je vous ai dit, dans nos manières de s'habiller, c'était bizarre. On s'habillait en faisant descendre nos culottes. On voit seulement nos slips. Souvent même, on n'a pas lavé nos slips, mais on doit la montrer quand même aux gens. Parce qu'on se dit que c'est le style. Mon frère, si toi, tu fais une chose, le diable te contrôle. Le diable te contrôle. Ça a commencé par la musique que tu as écoutée. Et maintenant, tu te mets à faire des choses bizarres. Regardez par exemple, il y a une forme de musique qu'on appelle la musique rock. À un moment donné, quand c'était venu là, au départ, là, c'était vraiment chaud. Hein. Aux États-Unis là-bas, quand cette musique est arrivée là, puisque les acteurs de cette musique là, souvent, ils combattaient Jésus-Christ dans les chansons et ils parlaient de l'occultisme et tout ça. Ça a amené beaucoup de personnes qui écoutent la musique à aller prendre des renseignements sur comment devenir occultiste. Ça fait que les jeunes jeunes, 16 ans, 17 ans, déjà ils ont commencé à se retrouver sur les sites d'apprentissage de la sorcellerie. Genre, ils sont commencé à aller sur Internet pour pouvoir chercher à savoir comment on fait de la sorcellerie, comment on fait de l'occultisme et. Ils ont commencé à s'attacher aux pratiques occultes, aux choses des ténèbres. Et c'était même, ils allaient de la nuit genre à minuit. Et ils allaient dans les cimetières pour faire du grand n'importe quoi. C'est comme il n'y a pas longtemps, on a vu une fille qui allait faire un clip dans un cimetière. Et là, elle s'est même couchée sur la tombe des gens. Elle te connaît, elle te connaît pas. Elle connaît même pas ta famille. Elle s'en fout. Elle est venue se coucher sur la tombe. En train de faire des grimaces devant la tombe des gens. Quand les gens ont vu ça, ils ont dit, mais ah, comment peux-tu faire un truc pareil? Et cette musique, c'était une musique comme le rock and roll. On va dire que c'était ça. Et elle, pour elle, c'était normal. Les gens ont pris ça mal. À un moment donné, ça fait le buzz. Je pense qu'on en a parlé ici. Voici comment le diable contrôle la jeunesse. Et ça, ce n'est rien. Dis à ton ami qu'à côté, ça, ce n'est rien. Dis ça, ce n'est rien. Maintenant, dis-moi. Pourquoi est-ce que les nouveaux clips qui sont en train de sortir sont de plus en plus. Pourquoi ces nouveaux clips ressemblent de plus en plus au film X? Pourquoi? Pourquoi ces nouveaux clips ressemblent de plus en plus au film X selon toi? Pourquoi? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? En général, quand les gens voient ça, ils se disent, oh, c'est juste. Pour attirer le buzz, voilà. S'il dit c'est juste pour faire le buzz, c'est juste pour attirer les regards des gens, ou bien c'est juste pour embellir les clips.
Comment est-ce qu'on peut chercher à faire le buzz en montrant des enfants, des gens en sous-vêtements? Genre, une femme va venir marcher devant vous et danser le twerk dans le clip. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai même déjà posé cette question un jour? Est-ce que c'est normal? Là, tu regardes le clip, tu écoutes la chanson déjà même t'amène dans une autre dimension. Là, tu regardes le clip, tu vois une femme qui danse n'importe comment. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu dis? Si tu as vraiment ta conscience en bonne position, tu vas dire qu'il y a un problème. Mais si tu aimes la star qui chante et tu aimes ce genre musical, tu vas laisser passer. Laisser passer quoi? Tu vas tout simplement laisser passer l'information qui va tout simplement entrer en toi. Et ne sois même pas étonné qu'à un moment donné, tu ne sois plus capable de t'habiller normalement. Tu vas te mettre maintenant à chercher à t'habiller comme ces stars-là que tu as vues dans les clips. Regardez aux États-Unis. Regardez. Regardez. Il y a plein de célébrités, surtout les femmes de l'industrie de la musique. Quand elles sont dans les clips, elles chantent du rap. Mais quand elles sont dans les clips, ce qu'elles font, ça ressemble au film X. À un moment donné, là, quand quelqu'un en clash avec elle, qu'est-ce que la personne dit? La personne dit que oh, toi, on te connaît ici, toi, tes clips ressemblent à des films X. Mais c'est pourquoi exactement? C'est pourquoi? On va dire, mais c'est pour qui? Je pense que c'est la bonne question. C'est pourquoi et c'est pour qui? Gens disent que c'est pour faire le buzz. Et que lorsqu'on fait ça, ça fait entrer de l'argent. Mais quelles sont les conséquences? On va dire à quel prix? Au prix des âmes des gens. Ça, c'est pour corrompre la jeunesse, pour influencer les jeunes dans de mauvais comportements. Regardez comment les gens s'habillent d'une manière bizarre. Le diable contrôle la jeunesse par la musique. Même le style des gens a changé. Quand une star se lève et fait un truc dans son nouveau clip, toute la jeunesse suit la chose. Personne ne se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que Dieu pense de ça? Même si les gens savent que c'est mauvais, ils vont aimer ça. Parce que si c'est une star qui a parlé de ça, ou bien c'est une star qui s'est comportée ainsi. C'est-à-dire que si ce jour-là, une star s'est levée, hein, elle a fait un clip, elle est nue, elle est en train de marcher de la France jusqu'à New York, là, nue. Vous pouvez voir que des fans aussi vont se lever. Eux vont se déshabiller. Carrément, se déshabiller pour aller faire ça. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que aujourd'hui, c'est tout ce que vous voyez à la télévision. Sont des œufs d'esprit. Et derrière tout œuf d'esprit, il y a vraiment un esprit, un démon qui est là. Et quand nous sommes en train de dire que le diable influence la jeunesse par la musique, c'est que vraiment il influence la jeunesse par la musique. Il utilise juste la musique pour séduire les gens, attirer les gens. C'est une arme. Et amener les gens à suivre les stars qui les chantent, à écouter leurs messages. C'est comme si ces gens-là devenaient des pasteurs qui sortaient de prêcher le message de Dieu. Mais là, on va dire que c'est le message du diable. Parce qu'ils ne vont jamais vous dire quelque chose de bon. Et ils sont là, ils vous disent tout le temps. Et ils ne sont pas là pour vous conseiller, ils sont là juste pour vous amuser. Mais c'est quand ils sont de vous amuser là, ils vous influencent de mauvaises choses. Les filles ne s'appellent plus bien, ce n'est pas venu de nulle part, c'est venu de ce qu'on voit à la télévision. Regardez aujourd'hui en Afrique, là, toutes les filles de la fille veulent s'habiller comme les filles qui se trouvent en Europe, ou en Occident, aux États-Unis. Pourquoi? C'est à cause de ce qu'elles sont en train de voir à la télévision, dans les clips, et puis à cause du fait que beaucoup de personnes aiment ça. Comme beaucoup de gens aiment ça, ils se disent que bon, ok, c'est le modèle.
Donc, toi là, ma soeur, tu vas me dire que si la fille là, elle se met nue et puis elle commence à marcher de chez toi jusqu'à dans mon village, là. Toi aussi, tu vas marcher, tu vas te mettre nue, tu vas te déshabiller. Non. Il faut pas se laisser influencer comme ça. À un moment donné, il faut se réveiller. Oui, il faut se réveiller. Regardez dans les clips. Dans les clips, ça ne fait que montrer des belles voitures, beaucoup d'argent, des femmes. Ce n'est que ça. Aujourd'hui, ce n'est que ça. Ça a commencé depuis longtemps. Et ça continue. Ça s'intensifie matin, midi et soir. C'est devenu même la norme. Dans les films, les gens doivent s'embrasser. Au moment où donnez, un moment où vous dites, vous commencez à comprendre que ok, là la drogue c'est devenu normal. Rien de tout ça n'est normal. Si le diable fait ça, c'est pour que des gens reçoivent son message. Et son message, c'est d'amener les gens à le suivre en enfer, en copiant tout ce qu'il est en train de nous donner comme information. Et en les mettant en pratique. Tu mets en pratique les œuvres du diable. Là, dans la musique, là. Ah, dans le clip, il y aura des choses. C'est en ce moment-là, ceux qui sont vraiment intelligents commencent à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on. Comment se fait-il que des gens, des personnes qui ont l'argent, beaucoup d'argent, ont-elles du mal à s'habiller? Regardez. Les filles aujourd'hui, elles disent qu'elles sont sexy. Elles achètent un tissu. Au lieu de ce coudre, un vêtement extraordinaire. Elle va se coudre un mini. Ah! Elle va se faire coudre. C'est-à-dire, c'est un truc hors du commun. Des vêtements bizarres. On voit même son nombril, son bas-ventre. On voit son ventre. En fait, on voit tout même. On voit tout. Et les gens sont en train de mettre en valeur les seins et les fesses. Tout ça, c'est pourquoi. C'est toujours le même projet. C'est le contrôle total de la jeunesse. Vous êtes jeune, non? Le diable veut que les jeunes soient attachés au sexe. Une fois que les jeunes commencent à s'attacher au sexe, il va les enfermer comme ça. Prise au piège, prise à la prison. Là, vous ne pouvez plus rien faire. Vous allez aimer la chose jusqu'à. Si vous ne faites pas attention, c'est dans ça là même que vous allez y laisser votre vie. Parce que le diable vous a eu depuis. Parce que le diable vous a eu depuis. Ma soeur, fais attention à ce que tu vois à la télévision. Fais attention à ce que tu écoutes. Tu as écouté une chanson. Ou dans la chanson, les gens sont en train de parler du mal de Jésus-Christ. Ils sont en train de dire des choses que toi-même tu ne comprends même pas. À un moment donné, tu te dis, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est même quoi? C'est terrible. Je pense que j'en ai parlé dans la prochaine vidéo, dans la vidéo, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Vous pouvez aller la regarder encore. Elle apparaît à la fin de cette vidéo, si Dieu le veut. Mais c'est un truc hors du commun. Les jeunes gens ne respectent plus les aînés. Tout ça a commencé par la musique. Le diable influence les jeunes par la musique. Les jeunes gens vivent dans la vie des débauches. Tout ça a commencé par la musique et les clips. La manière de les clips. Les jeunes, on voit les superstars là qui sont en train de regarder les filles là, comme ça, comme s'il y avait quelque chose d'extraordinaire sur elles. Regardez un peu la chanson de ce gars-là. Je pense que c'est Justin Bieber. Il chante Baby, 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 ouh. Et puis, il ne sait pas quoi. Dans le clip, vous voyez que, il voit qu'on voit une femme. Il voit une fille. Et puis, il se tourne. Il regarde la fille comme ça. Comme si il venait de voir un trésor caché. Et bien, il y a le signe ou quoi? Ça, c'est exactement ça. Ça là, ça transmet un message de curiosité à quelqu'un. Ça va éveiller ta curiosité pour savoir, mais ah, qu'est-ce qu'il a vu? C'est la fille là, et puis depuis là, il a tenté de la regarder comme ça.
À un moment donné, toi, si tu vas aller chercher, aller fouiller pour voir. Tu vas fouiller, tu vas aller voir, il n'y a rien dedans. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es allé fouiller, il n'y a rien. Tellement encore, tu es allé fouiller encore dedans pour voir si tu as dit non. Ce que j'avais regardé la dernière fois, c'était que je n'avais pas trop bien regardé. Peut-être qu'aujourd'hui, je regarde encore. Ça va être bien. Tu vois encore, tu fous, tu regardes. Il n'y a rien. Mais j'ai dedans encore. C'est ce qu'il a dit, t'emprisonner, t'emprisonner. Donc, ils sont là pour pousser la cruauté des enfants, surtout des jeunes gens, les plus jeunes, à un niveau très élevé, au point où ils tombent dans des choses, ce n'est-il, qui va carrément les maintenir dans une prison pendant très longtemps. C'est-à-dire, tomber sous le contrôle du diable. Et la prison du sexe est l'une des prisons les plus prêchées par l'industrie de la musique. Et c'est un élément, c'est une chose que le diable utilise beaucoup. Donc la musique d'aujourd'hui là, est reliée au sexe. C'est pourquoi vous voyez dans les clips, on montre les filles qui sont tout le temps en train de danser les trucs, montrer les fesses. Parce que c'est un lien. Pour bien contrôler les gens, pour bien nous contrôler, le diable a décidé avec ses gars de relier les deux pour vous montrer même ce qu'il ne faut pas. C'est relié. Maintenant, tout le monde aime l'argent. L'argent aussi est venu se coller aussi à la musique. Oui, le diable a combiné le démon du sexe, le démon de l'argent, de l'amour de l'argent. En fait, le démon de l'amour pour le sexe, le démon de l'amour de l'argent. Et puis, d'autres choses. Il a combiné tout ça pour vous le donner. Il dit, tuez-vous. Il est mauvais. Est-ce que tu es au courant même? Moi, il n'y a pas de ça pour les gens qui ne savent même pas dans quoi ils sont. Si toi, tu ne sais pas dans quoi tu es, tu n'as jamais entendu de tel message. Quand tu as écouté cette vidéo-là, au départ, tu as dit, oh, c'est de la blague. Il veut nous effrayer. Il vient se boire même, je veux nous effrayer. Mais un jour, un bon matin, toi-même, ta tête va commencer à tourner. Tu te dis, mais ah, qu'est-ce qui se passe même? On doit quand même se poser des questions. Les gens nous préparent au paradis ou en enfer. Pose-toi cette question. Quand tu écoutes une musique où on parle que de la violence, où on demande aux gens de s'armer, d'être violents, que tu écoutes une musique où on demande aux filles de se déshabiller, de s'habiller très mal, où tu écoutes une musique, tu vois dans les clips, on demande aux gens de fumer tout et n'importe quelle drogue. Tout ça là, c'est pour t'amener où à la fin? Tout ça pour t'amener où? Quand les gens sont sur les stades en train de jouer au football là, quelqu'un doit gagner. Ils veulent gagner la course à cause ils sont en train de se battre sur le football, sur le terrain. Donc tout cela, ces gars-là, ils sont de faire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Qu'est-ce qu'ils te veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent de vous? Qu'est-ce qu'ils veulent de vous? On dit le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Il veut dévorer les gens. Ah. Mais par quoi? Comment va-t-il faire? Aujourd'hui, je vous présente la musique. J'ai bien envie de vous parler de la musique tout ce mois-là, mais pour vous dire les trucs. La musique. Si toi, tu écoutes une musique et que tu sens que depuis que tu as commencé à écouter la musique, tu as commencé à avoir de mauvais comportements. Tu as commencé même à manquer de respect à tes aînés. Tu as commencé à t'habiller n'importe comment. Et tu n'as plus peur même de t'habiller de façon très sexy pour sortir dans la rue. Fais attention. Fais attention si tu vois tous ces signes sur toi. Fais attention. Le diable te contrôle déjà. Le diable te contrôle déjà. Toi, tu es une jeune gars, tu es un enfant. Peut-être que tu as 16 ans, tu as 13 ans, tu as 16 ans. C'est quelle idée d'avoir une copine? Depuis qu'un enfant de 16 ans doit-il aussi avoir une copine? Qui vous a appris ça?
Qui vous a appris ça? C'est la musique. Ce sont les clips que vous regardez. Ils vont jamais vous donner de vrais conseils. Vont toujours de vous donner des conseils qui vont vous arranger. Mais vous pensez que ça vous arrange. Mais ça vient de vous tuer à petit feu. Ils le disent eux-mêmes. Quand on leur demande pourquoi vous, tout le temps vous faites des clips où on voit les femmes dedans, elles sont habillées n'importe comment, elles dansent n'importe comment. Ils disent que c'est parce que vous aimez ça. Donc, eux, ils vous donnent seulement ce que vous aimez. Aujourd'hui, là, ce que la chair aime, c'est ce qui détruit l'esprit. C'est ce qui détruit l'esprit. Et c'est ton problème sérieux, ton plus grand problème. Tu écoutes trop ta chair. Si tu écoutes ta chair, les désirs de ta chair, tu vas tomber dans la tombe, ou dans le trou, mais dans le feu. Faites très attention! Faites très attention. Vous suivez les gens n'importe comment. Pourquoi moi je vous dis en même temps? Dans la vie, il ne faut jamais être fan de quelqu'un. Si tu veux aimer quelqu'un, tu es fan de quelqu'un. Il faut être fan de Dieu. Il faut être fan de Jésus. Il faut être fan de Jésus, c'est mieux. Parce que si tu as produit pour un homme, tu risques d'applaudir pour le diable. Parce que même dans ça, là, il y a des serviteurs du diable qui sont là-dedans. Carrément. Et ils ont l'air jovial. Hein. Ils sont tout en train de rire dans l'église. Ils vous font croire que boire de l'alcool, ça fait du bien. Ils vous font croire que avoir plusieurs femmes sur son lit, plusieurs femmes, plusieurs copines, c'est bien. Ils vous font croire que s'habiller de façon sexy, ça rend heureux. Ils vous font croire que faire de la chirurgie esthétique, de la chirurgie plastique, changer ses fesses, ses seins, c'est bien. Ils vous font croire que enlever tous ses cils et ses sourcils et puis remplacer ça par des crayons, c'est bien. Ils vous font croire que changer la couleur de votre peau, c'est une bonne affaire, la dépigmentation. Ils vous font croire tout et n'importe quoi. Et vous êtes là, vous gommez, 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 c'est ma parce que ce sont les superstars. Ce sont les superstars. Donc les superstars sont devenus vos dieux. C'est pourquoi aux États-Unis, là-bas, on appelle American Idol. Les idoles américains. Regardez comment les gens adorent les stars. Ils aimeraient les copier. Fais attention! Moi, je t'ai déjà parlé. Si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir, en cliquant sur ce bon pour aller sur la page d'accueil, vous allez voir à propos. À propos de la chaîne, ou bien juste en haut de la chaîne, si vous vous trouvez sur un ordinateur, vous allez voir me faire un don. Là, tous ceux qui veulent exprimer leur cœur et me soutenir vont le faire. Mais que ça vous vienne du cœur. 9 Reborn.